Et bonjour tout le monde. Bonjour Céline, bonjour Seb, bonjour Sonia. Bienvenue. Alors, je vais essayer la manipulation que j'essaye de faire tous les mercredis maintenant, c'est-à-dire de diffuser en direct sur Facebook. Alors, est-ce que ça va fonctionner? L'enregistrement est lancé, cette fois on est bon, ça c'est sûr. Maintenant, je vais essayer de diffuser en direct sur Facebook. Alors. On va essayer de diffuser sur la page. Voyons voir si la diffusion fonctionne aujourd'hui. Et oui, ça a l'air de vouloir fonctionner. Nickel. Alors, diffuser en direct. Okay. Alors, je me demande un petit peu. De patience. Diffuser. Viens vers vous dans Zoom. Oh, il y a du monde qui arrive, super. Bonjour tout le monde, il y a du monde ce matin, super. Alors, j'étais en train de paramétrer la diffusion en direct dans le groupe Facebook, enfin sur ma page Facebook, parce que dans le groupe ça marche jamais. Et je vois que ça fonctionne, donc c'est super. Ok, nickel. Alors, la diffusion fonctionne sur la page Facebook et je vous ai aussi dans Zoom, la technologie est magique. Alors, bonjour tout le monde, y a un petit peu du monde ce matin, c'est super. Donc, pour info, la vidéo est enregistrée parce qu'elle sera rediffusée probablement sur ma chaîne YouTube et puis dans le groupe Facebook. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous voie, vous pouvez couper vos caméras. Il n'y a pas de souci avec ça si vous voulez garder l'anonymat. La vidéo, elle est aussi diffusée en direct sur la page Facebook. Donc, sur Facebook, je ne vous vois pas et je ne vois pas vos questions. Donc, ce n'est pas la peine de me poser des questions sur la page Facebook parce que je ne les vois pas. Et puis dans Zoom, eh bien, ceux qui veulent intervenir, vous avez un petit bouton en bas. Je pense que vous pouvez lever la main ou quelque chose comme ça, ou discuter, ou voilà. Voilà. Et voilà, Céline a levé le pouce. Donc c'est ça. Si vous voulez intervenir, eh bien, vous me faites un petit signe, vous activez votre micro et votre caméra, et puis on échangera ensemble en direct. Voilà, bonjour Seb, bonjour Céline. Ah, Céline, elle anime sur Zoom toute la journée. Ah, bah oui. Alors, du coup, c'est un outil que vous connaissez bien. Super. Alors, ce matin, je vous ai proposé qu'on se parle un petit peu de l'anxiété qui est générée par la phase de déconfinement. J'avais commencé les accompagnements, pas vidéo, mais par support écrit, en vous parlant justement de l'anxiété du confinement. Et je vous ai, dans la boîte à outils, pour ceux qui sont inscrits, pour ceux qui font partie de mes abonnés, dans la boîte à outils de la newsletter, vous avez un document sur l'anxiété. Je vous en avais parlé pour commencer sur l'anxiété liée au confinement. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de l'anxiété liée au déconfinement. Parce que même si on l'attend tous avec impatience, cette première étape de déconfinement,
que ce soit les parents comme les enfants d'ailleurs, il n'empêche que ça génère aussi de l'anxiété. Ce qui est important que vous sachiez pour démarrer cette réunion, c'est que tous les choix que vous faites sont les bons. C'est-à-dire que les parents qui décident de renvoyer les enfants à l'école, eh bien, vous avez vos raisons de le faire et vous avez raison de le faire. Et tous ceux qui décident de ne pas renvoyer leurs enfants à l'école, eh bien, vous avez aussi vos raisons de prendre cette décision et vous avez aussi raison de le faire. Donc, il ne s'agit pas ici de juger quelle est la bonne décision à prendre parce que chacun a ses raisons et chacun a ses bonnes décisions à prendre. Ok ? Ça, c'est la chose vraiment importante. On ne va pas, quoi qu'il arrive, décider de ce qu'il est bon à faire pour vous ou pas. D'ailleurs, si vous me suivez, hein, que ce soit sur ma newsletter ou si vous êtes membre de certains de mes ateliers ou de mes formations, vous savez que ce qui prime pour moi, c'est toujours de respecter les besoins des familles et les besoins des enfants. Et je suis convaincue que chaque famille et chaque enfant a ses propres besoins, ses propres valeurs. Il n'y a donc pas une recette pour tout le monde. La recette, c'est à vous de la créer. On se la crée chacun les uns les autres en fonction de ce qu'on pense être bon pour nos enfants et ce qu'on pense être bon pour nous. Voilà pourquoi je ne vais pas vous dire aujourd'hui il faut renvoyer vos enfants à l'école. Il ne faut pas renvoyer vos enfants à l'école. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Je vous dis ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant quelle était la meilleure décision à prendre. Eh bien, je ne sais pas. La meilleure décision à prendre, c'est la vôtre. Voilà, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire ce matin. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est vraiment avancé sur l'anxiété que ça va générer chez les enfants et chez les enfants à haut potentiel en particulier? Eh bien non. On n'est pas plus avancé parce que votre décision, quelle qu'elle soit, elle va engendrer des conséquences pour vous et pour vos enfants. Ce qui est important de savoir, c'est que votre enfant, il va évaluer le risque de retourner à l'école. Alors là, on va s'adresser à ceux qui pensent un retour à l'école pour leurs enfants. Votre enfant, il va évaluer le risque de cette situation en fonction de ce qu'il va sentir de vous. C'est-à-dire que s'il sent que vous êtes très anxieux par rapport à cette décision, eh bien, lui, il va aussi être anxieux. Parce que vous savez, hein, nos petits zèbres, ils ont des antennes. Alors, tous les enfants ont des antennes, mais alors, nos petits zèbres encore plus. Ils ont des espèces de sondes comme ça au-dessus de la tête et ils savent très bien sentir si on est à l'aise avec nos décisions ou si on n'est pas à l'aise. L'anxiété, c'est une émotion qui est une branche de la peur. Et cette peur, elle va être plus ou moins intense chez votre enfant par rapport à cette situation-là en tout cas. Dans d'autres situations aussi, mais par rapport à cette situation-là en tout cas, par rapport à ce qu'il va sentir en fait de la clarté de votre décision. Donc la première chose à faire, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça va vraiment être d'être très très clair en couple, quand vous êtes en couple ou en solo, quand vous êtes en solo, avec la décision que vous prenez. Je sais que cette décision, elle est très très difficile à prendre. Il y a des familles qui n'ont juste pas le choix parce qu'il faut retourner travailler, que le télétravail n'est pas possible et que pour retourner travailler, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de renvoyer les enfants à l'école. Et malgré ça, eh bien, les parents, ce n'est pas le choix qu'ils auraient fait s'ils avaient une autre décision, une autre possibilité. Il n'empêche que dans cette situation-là particulière, vous n'avez pas d'autre choix. Donc, si vous n'avez pas d'autre choix, la première chose à faire, c'est déjà de vous apaiser, vous. C'est très, très important que vous soyez suffisamment rassuré, suffisamment apaisé avant d'exprimer votre décision à votre enfant. J'en parle assez souvent dans les vidéos que je fais, dans les formations en ligne que je vous propose. L'harmonie d'une vie de famille, elle se joue vraiment et encore plus particulièrement avec les enfants à haut potentiel, dans cette alchimie, dans cette alliance entre le parent et l'enfant. C'est deux choses, les deux états d'esprit sont intimement liés.
Et pour que votre enfant soit apaisé, il faut d'abord que vous le soyez. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, hein, de l'importance de gérer vos émotions à vous de parents avant d'essayer d'accompagner celles de vos enfants. Et dans cette situation-là, je trouve que ça se prête encore plus parce que vos enfants, il va se référer à vous pour savoir si la situation qu'il va vivre, elle va être dangereuse ou pas. OK? Donc ça, c'est vraiment important. D'autant plus que l'étape qu'on est en train de vivre, ça, c'est une période de transition. C'est-à-dire que votre enfant, il va aller, s'il retourne à l'école, il va aller dans une période dans quelque chose qui lui est inconnu. Il retourne à l'école, mais il ne va pas retourner dans la même école que celle qu'il a laissée. Il va retourner dans une école qui va être modifiée. Donc il y a plein d'inconnus. Et les enfants à haut potentiel, en général, ils n'aiment pas trop l'inconnu. Ce sont souvent des enfants qui sont anxieux. Alors bien sûr, tous les enfants à haut potentiel ne sont pas anxieux, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, pour ceux qui sont anxieux, et en général, si vous cherchez des solutions et si vous me suivez, c'est que vos enfants font partie de ces enfants-là. Pour diminuer leur anxiété, ils ont besoin de maîtriser le monde qui les entoure, en tout cas de le comprendre, et le plus possible quand même d'arriver un petit peu à le maîtriser. Et là, ce qui va générer particulièrement d'anxiété chez eux, alors c'est dans un premier temps ce qu'il va sentir de vous, ok. Et puis, c'est aussi tout ce qu'il ne connaît pas, toute cette incertitude qu'il va retrouver, puisque ça va être l'école, oui, mais ça ne va peut-être pas être le même maître, peut-être pas être la même maîtresse, c'est peut-être pas la même classe. Donc, tous ces repères, ils vont être modifiés. Et ça peut générer beaucoup d'anxiété. Donc, pour accompagner ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord d'accueillir dans un premier temps les émotions de votre enfant. C'est-à-dire, ne pas chercher, ne pas tomber dans le piège de vouloir rassurer à tout prix et tout de suite. OK ? On a tendance, quand on est parent et qu'on est soucieux de nos enfants, comme vous l'êtes tous, on a tendance à vouloir qu'ils aillent bien et à vouloir qu'ils se sentent en sécurité et à vouloir qu'ils soient apaisés et à leur éviter toute forme de souffrance. Sauf que quand on essaye de rassurer immédiatement, quand notre enfant nous dit « Oh là là, mais tu sais, moi j'ai peur de retourner à l'école par exemple », si on essaye tout de suite de lui dire « Mais non, tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas retrouver tes copains », eh bien, on fait deux choses. D'abord, on lui envoie le message que ce qu'il est en train de ressentir au niveau de ses émotions, ça n'a pas lieu d'être. Or, son corps et sa physiologie est en train de lui indiquer que pour lui, il y a quelque chose de dangereux. Donc, si le parent lui transmet le message inverse, eh bien, l'enfant, il risque de se conformer à ce que son parent lui dit, puisque vous êtes sa figure d'attachement et que forcément, vous avez probablement plus raison que lui, en tout cas dans son esprit. Et il va petit à petit, il risque en tout cas de se détourner des signaux physiologiques et de ce qu'il ressent de ses émotions, parce qu'il va les classer dans la catégorie « ça n'a pas lieu d'exister ». Donc ça, ce n'est pas ce qu'on veut, puisque ce qui est important pour les enfants en potentiel et pour les enfants en général, mais pour les enfants à haut potentiel peut-être plus particulièrement, c'est vraiment important de les aider à apprivoiser ces émotions et à les identifier, à les reconnaître et à arriver à les exprimer de manière adaptée. Hein, c'est un petit peu la dynamique qu'on cherche à avoir quand on est parent. Donc, dans un premier temps, on va accueillir les peurs de notre enfant, on va écouter. Accueillir, c'est simplement écouter. C'est simplement dire « Ah bah oui, dis donc, je comprends que ce soit inquiétant pour toi. Bah oui, je comprends, bah tu sais pas si tes copains vont être là ou pas et les choses vont changer. Oui, je comprends que ce soit difficile pour toi. » Voilà, c'est ça, accueillir. C'est juste reconnaître que ce que notre enfant il est en train de vivre, ce par quoi il est traversé, ça a une raison d'être et c'est légitime. Hein? Donc, c'est vraiment la première chose que je vous invite à faire par rapport à ce que votre enfant il va pouvoir exprimer. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez pouvoir essayer de l'aider à anticiper cette nouvelle réalité à laquelle il va devoir se confronter. Alors, pour ça, il y a différentes choses que vous pouvez faire actuellement. D'abord, vous pouvez peut-être essayer de contacter les écoles si elles n'ont pas fait et voir avec elles comment les choses vont s'organiser pour pouvoir l'expliquer à votre enfant.
on va vraiment essayer d'apporter un maximum d'informations donc sur le contexte, sur comment ça va se passer, sur ce qui est mis en place. Vous pouvez essayer d'appeler les copains, les copines, en tout cas les parents des copains et des copines, pour essayer de voir si les copains et les copines seront présents le jour de la rentrée. Ça peut être quelque chose qui peut aussi grandement rassurer vos enfants, de savoir que les copains et les copines seront là. Et puis, dans un dernier temps, parallèlement à tout ça, vous pouvez aussi faire des petits jeux de rôle à la maison. On sait hein, que dans cette nouvelle période de scolarité nouvelle, les règles pour les enfants vont être... Il y a pas mal de distanciations sociales qui vont essayer d'être mises en place à l'école. Il y a pour certains peut-être le port du masque. Alors, je sais que ce n'est pas toutes les classes et que ce n'est pas partout, mais pour certains, il peut y avoir le port du masque, il peut y avoir le lavage des mains. Donc, on peut essayer de jouer à tout ça à la maison. On peut jouer à, pendant 10 minutes, on essaye de marcher, mais on reste à 1 mètre chacun l'un de l'autre. Pour essayer de s'entraîner à ce nouveau mode de vie, qui apparemment va être le nouveau mode de vie pour beaucoup d'entre nous pendant quelques temps encore. Alors, on espère que les choses se tourneront positivement, mais voilà, pour l'instant, on en est là. Donc, pour l'instant, cette distanciation sociale, alors moi, j'aime mieux parler de distanciation physique que sociale parce que ça, c'est pas la même chose, mais cette distanciation physique, elle va être nécessaire. Donc, vous pouvez essayer de jouer à ça avec vos enfants. Si vous avez des enfants, des fratries à la maison, vous pouvez essayer de leur demander de jouer ensemble, mais en restant à 1 mètre, alors pendant un petit temps, juste pour qu'ils fassent l'expérience de ce que c'est. Et puis après, ce qui va être important aussi, ça va être de leur demander ce que ça leur fait vivre. Comment ils se sentent par rapport à ça? Vous allez pouvoir vraiment essayer de voir avec votre enfant ce que ça lui fait. Et ça, c'est vraiment important. OK? Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je voulais vous transmettre ce matin sur un plan très général. Je l'écrivais sur la page Facebook ce matin et je vous le redis ici, chaque enfant, chaque famille est un individu, est une structure individuelle et il n'y a pas de recette miracle. Dans l'éducation des enfants, pas plus dans l'éducation des enfants à haut potentiel que des autres. J'ai donc pas plus de recettes miracles. Par contre, ce qui m'intéresserait ce matin, si vous en avez envie, plutôt que je continue ce monologue à visage couvert, parce que vous avez tous éteint vos caméras, alors je vois personne, est-ce que certains d'entre vous auraient envie de partager comment ça se passe chez eux, quelles sont les inquiétudes, leurs inquiétudes de parents par rapport aux choix qu'ils ont faits, les inquiétudes des enfants que vous sentez ou pas, et puis qu'on essaye d'échanger un petit peu sur cette question, non pas de vous trouver des réponses, mais d'essayer de vous guider à trouver vos propres réponses par rapport à tout ça. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de ça ce matin? Est-ce que quelqu'un a envie d'échanger un petit peu cette nouvelle situation? Alors, si vous avez envie de le faire, vous pouvez activer votre caméra, votre micro, et puis qu'on s'en échange. Alors, Céline dit qu'elle a décidé de ne pas remettre sa fille à l'école, mais que c'est une enfant seule et que ce n'est pas évident. Alors, effectivement, il y a aussi hein, cette... Céline, si vous voulez venir échanger sur cette question-là. Ah, le micro. Ouais, pas de souci. Oui, je suis là. Alors, dites-nous un petit peu. Alors, je vais démarrer la vidéo, même si je n'ai pas trop ça, mais je suis directrice de centre de loisirs, donc je suis très intéressée par cette conférence, parce que c'est vraiment des situations... alors, nous, on a été clair sur le fait de ne pas reprendre l'école pour l'instant pour Héloïse. Okay. On en parle beaucoup avec elle aussi. Après, en fait, comme le contact avec les autres enfants a toujours été compliqué parce qu'elle cherche beaucoup le conflit, voilà, elle a du mal à être en bonne interaction avec les autres enfants. Mais en même temps, voilà, elle est toute seule à la maison, même si on joue beaucoup, si on fait beaucoup de choses, je pense que cette période va être très longue pour elle au niveau sociabilisation avec les autres, en fait. Ok. Voilà. Elle a quel âge, Héloïse?
Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Ok, ouais. D'accord. Donc, votre crainte à vous, ce que j'entends, c'est que bah, à la fois, les relations sociales, c'est déjà compliqué un petit peu pour elle, mais qu'en même temps, ne pas retourner à l'école, bah, ça risque de l'isoler encore plus. C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit, elle, de cette situation? Si vous lui laissiez le choix, qu'est-ce qu'elle déciderait? Alors, c'est vraiment l'effet miroir, hein, parce que effectivement, une fois qu'on est clair, bon voilà, elle suit notre clarté aussi. Mais en fait, elle est très contente de ne pas retourner à l'école parce que depuis plusieurs mois, elle voulait faire l'école à la maison. Donc voilà, pour éviter tous ces conflits. Mais on sent quand même que voilà, le fait de ne pas avoir d'amis, de moins discuter avec les autres, là, elle n'aura plus de connexion Zoom. Ce qui lui posait vraiment souci, c'est d'avoir les connexions Zoom avec la maîtresse et les autres enfants. Donc là, elle n'en aura plus quand l'école va recommencer. D'accord. Donc elle est contente de ça. Mais alors après, peut-être que c'est moi, hein, qui projette toutes ces difficultés-là qu'elle n'a pas forcément, elle, mis en avant, en fait. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser cette question quand même des contacts avec les autres, hein, des enfants, pour ceux et celles qui choisissent de garder les enfants à la maison. Moi, je ne vous cache pas que je fais l'école à la maison depuis toujours avec mon fils. Hein, donc c'est une question qui est souvent mise en avant, la question de la sociabilisation des enfants qui sont scolarisés à domicile. Alors, dans un contexte actuel, dans un contexte normal, je veux dire, il existe plein de groupes qui permettent d'avoir une vie sociale très active et que la sociabilisation ne soit pas du tout un souci, contrairement à ce qu'on pense. C'est vrai que dans le contexte actuel, ça peut poser d'autres questions parce que ça va être sans doute plus compliqué d'organiser des rencontres avec les quelques copains et copines que peut-être votre fille a. J'ai envie de vous dire peut-être que la solution, bon voilà, vous êtes clair avec cette décision, déjà c'est important, vous êtes clair avec cette décision, vous faites le choix de ne pas la rescolariser, ok? Ce qui est important que vous entendiez, c'est que cette situation, elle va pas durer, ça va pas durer un an, quoi. Vous voyez? On espère tous, non mais voilà, c'est humainement pas possible de toute façon, qu'on reste confiné comme ça pendant des années. On peut imaginer en tout cas qu'au mois de septembre, soit des solutions médicales seront trouvées, soit des solutions d'organisation sociale, donc scolaire, etc., seront trouvées pour que nos enfants puissent reprendre pour que les enfants qui le souhaitent en tout cas puissent reprendre un rythme plus classique. Ok ? Donc là, finalement, la crainte que vous avez, elle est vraie pour 2 mois. Oui, elle est passagère. C'est passager. Mais surtout qu'elle va rentrer au collège, en fait. C'est surtout ça. En fait, l'année prochaine, je pense qu'il y a ça qui se rajoute, c'est le fait que, du coup, l'année prochaine, elle rentre au collège, elle change complètement d'établissement, elle va de l'autre côté. Enfin, voilà, il y a tout ça qui fait que les au revoir aux copains-copines ne seront pas forcément possibles. Enfin, voilà. Je pense qu'effectivement, on est vraiment... On renvoie vraiment des choses à notre enfant qu'ils n'ont pas fait. C'est en vous écoutant que je me dis, mais mince, en fait, c'est mes craintes, ce n'est pas forcément les siennes. C'est ça. Mais en même temps, beaucoup de bienveillance pour vous-même. Vos craintes, elles sont légitimes. Vous êtes des parents. Enfin, toutes les personnes qui me suivent sont des parents qui essaient de faire au mieux pour leurs enfants. Et donc, voilà, vos craintes, elles existent. Il ne s'agit pas de faire comme si elles n'existaient pas. En avoir conscience, c'est déjà les projeter un petit peu moins. C'est déjà pas mal. C'est déjà un premier pas qui est pas mal. Après, on peut aller plus loin en travaillant sur nos propres émotions, mais ce n'est pas la question et le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment cette nécessité de clarté. Attendez, il y a des gens qui arrivent. Hop, je vous l'accepte. c'est de vraiment voilà, avoir cette clarté, vous. Et puis, ces inquiétudes, peut-être que vous pouvez y pallier en étant créatif. Ah, vous savez, j'aime bien vous appeler les mamans créatives et les wonder mamans, mais parce que c'est vraiment ce que je pense que les enfants au potentiel ont besoin. Peut-être qu'il n'y a plus les réunions Zoom, mais peut-être qu'il peut y avoir je vais vous donner une astuce que moi j'ai mise en place, mais peut-être qu'elle ne vous conviendra pas. Moi j'ai installé sur un téléphone à mon fils Messenger sans qu'il ait accès à Facebook, parce qu'il est jeune et que je ne veux pas qu'il ait accès à Facebook, mais par contre, il a accès à Messenger et du coup, il peut discuter avec ses copains. Oui, on a mis WhatsApp, ouais, effectivement. Voilà, donc ça peut être WhatsApp, ça peut être... Ouais. C'est vrai que j'ai la chance d'animer des journées d'animation avec d'autres enfants, donc il y a toujours ces interactions avec d'autres enfants, effectivement, qui sont là.
Voilà, c'est ça. Et puis elle, à 11 ans, je pense que si elle a ce besoin, elle saura vous l'exprimer, si elle s'ennuie ou si. Oui, Après, ça oui. ce qui est peut-être, oui, je pense, ce qui est peut-être important quand on fait le choix, pour celles et ceux qui vont faire le choix de garder les enfants à la maison, ce qui est peut-être important, c'est, j'en ai déjà parlé d'autres fois, mais peut-être que vous n'avez pas été là, c'est de poser un cadre clair à cette nouvelle habitude de vie qui va donc se prolonger. C'est-à-dire, là, on parlait de l'ennui, c'est un risque à courir, surtout avec les enfants au potentiel qui ont besoin, pour certains, d'être stimulés, d'être nourris, l'ennui, c'est un risque. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit posé dans le contrat, du choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'en même temps que vous annoncez que votre choix est qu'elle reste à la maison, il faut que vous annonciez en même temps, comment ça va se passer. Donc D'accord. là aussi, je n'ai pas de recette, hein, parce que ça va dépendre de votre rythme à vous, ça va dépendre de sa capacité à s'ennuyer ou à s'occuper seule, ça va dépendre de tout un tas de choses. Donc je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire, vous. Mais en tout cas, que les choses, qu'il y ait une espèce d'organisation qui soit quand même décidée, même si elle peut être souple, là aussi en fonction des besoins des enfants, parce que sinon, ça peut aussi générer de l'anxiété. Parce qu'on n'est pas en vacances, quand même. Souvent, les parents télétravaillent, vous, à ce que j'entends, vous allez reprendre le travail, probablement. Bah, oh là, moi, enfin, c'est la grande question parce que je ne sais pas non plus si on va pouvoir organiser de séjours de vacances en emmenant 50 enfants en même temps en vacances. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est d'autres inquiétudes. Mais en fait, on se rend compte qu'en télétravaillant, on travaille vraiment différemment et plus, j'ai l'impression. Et que du coup, là, ce qu'on a instauré, vous disiez les repères, mais ce qu'on a instauré, c'est des temps de jeu avec les enfants où on laisse le travail et on joue avec eux parce qu'en fait, on se rend compte que sinon, on prend pas le temps de jouer avec eux. Et du coup, bon, elle sait nous le Intéressant. rappeler. C'est intéressant tout à fait. Après, là encore, hein, ça va dépendre des enfants. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'avoir un travail scolaire parce que ça les rassure de maintenir ce rythme scolaire-là. Et puis parce qu'ils adorent apprendre, parce qu'ils ont des profils scolaires, donc ils adorent ça. Il y a des enfants qui sont assez contents quand même, hein, de ne pas mettre les pieds à l'école pendant quelques temps et puis de faire pause là-dessus, soyons clairs. Mais après, voilà, effectivement, c'est en fonction de chaque famille. Vous avez identifié que du coup, il y avait un manque d'attention peut-être du fait du télétravail et que du coup, vous avez choisi de le remplir en jouant. Et c'est tout à fait OK si ça correspond à tous les membres de la famille. Mais voilà, pour cette question, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait le choix de garder leurs enfants à la maison et qui sont un peu inquiets sur ce manque d'interaction avec les autres? Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou pas? Merci en tout cas Mais je de vous ce en prie. temps. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Et puis, comme je l'ai dit, hein, je le ferai jusqu'au 31 mai. Parce que, voilà, on imagine que la fin du confinement, c'est la fin des soucis. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Donc, je continuerai à proposer. Alors, en tout cas, sous forme de Zoom, très certainement, les thèmes, on les décidera peut-être tous ensemble. N'hésitez pas à me les soumettre, en tout cas, par mail. Mais ce sera en tout cas jusqu'au 31 mai. Ça, c'est une certitude. Alors, quelqu'un me dit dans le chat qu'elle doit gérer en même temps les activités de sa fille et j'imagine le télétravail. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, hein, ces difficultés-là de vous, les parents, qui allez continuer à être en télétravail. Et puis, comment on occupe les enfants? Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question-là? Allez, ne soyez pas timide. Personne ne veut intervenir ce matin? Allez, je vais patienter un petit peu. Alors, Léa, qui dit qu'elle n'est plus en télétravail. Est-ce que Léa, vous voulez activer votre micro et votre caméra, ou juste le micro? Je vous entends très mal. Alors, peut-être que votre connexion n'est pas suffisamment correcte ou la mienne. C'est possible aussi. Alors, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, hein. Remettez-vous dans la zone de conversation et puis je vais lire pour les participants ce que vous me dites, puis je vais essayer de vous répondre. Donc, Léa était en train de dire qu'elle doit gérer en même temps les activités de sa fille.
Je vous entends pas, Léa. Votre micro est activé, mais je vous entends pas. Oui, moi je suis, je travaille. Attendez, je suis plutôt dans le secteur du spectacle. D'accord. Avec certaines missions que je dois faire relatifs à l'événementiel. Ok. Tout a été annulé. Oui. Donc voilà, de fait, en matière de télétravail, pour l'instant, voilà, j'ai plus d'activité. D'accord. Et du coup, quel choix est-ce que vous avez fait, vous, pour votre enfant dans cette deuxième étape? Nous n'avons pas encore fait de choix définitif. Nous n'avons aucune nouvelle, ni de l'école, ni de la mairie, ni de l'académie, ni de qui que ce soit. D'accord. Ok. Alors, peut-être que ce sera à partir de demain, selon les régions dans lesquelles vous habitez, quand ils auront décidé de quelle couleur est notre département, peut-être qu'on en saura plus. Et du coup, alors... Je suis parent d'élève et la FCPE n'a pas de nouvelles non plus sur cette école. D'accord. Ok. Donc, du coup, votre difficulté, c'est laquelle aujourd'hui? C'est la gestion des émotions vives. Ok. Des émotions intenses, ouais, relatives à la classe, oui. D'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre enfant? C'est une petite fille, un petit garçon? Ma fille, vous avez dit. Donc, une petite fille qui a quel âge? C'est une fille qui a 7 ans. Ok. Et qui a donc de très fortes émotions. Oui, effectivement. D'accord. Et particulièrement sur cette question de est-ce que je vais retourner à l'école ou pas particulièrement par rapport à cette question-là? Non, cette question-là, pas plus. Ça semble pas être un souci, ni un déplaisir, ni un plaisir. Il y a une joie dans chaque situation pour elle. D'accord, ok. Ça, c'est super chouette. De retrouver la maîtresse et les copains et les copines, voilà, semble éventuellement, elle s'exprime pas particulièrement de manière ni négative ni positive sur ce sujet. J'ai l'impression qu'elle est très attentive à ce qu'on peut dire nous et comment nous on peut. C'est ça, c'est ce que je disais au tout début de cette réunion, hein, c'est vraiment comment on éclaire nous en tant que parents par rapport au choix qu'on fait, quel qu'il soit. Qui va permettre et qui va permettre à nos enfants d'être plus ou moins sereins par rapport aux décisions qu'on prend. Donc effectivement, si vous pour l'instant, vous ne savez pas, donc il n'y a pas de changement par rapport au fait que voilà, il n'y a pas de retour à l'école d'envisager pour l'instant. Non. Du coup, ça ne doit pas générer plus d'anxiété que ça. Mais vous sentez une anxiété quand même liée à la période de confinement ou Depuis le début du confinement, relatif à ce qui est donné par la maîtresse et qu'on a à faire à la maison, je me mets une pression. Ouais. Ok. Parce que en fait, elle a fait des petites vidéos sur Internet où elle s'exprimait. Sur un questionnaire et elle disait que c'est très difficile pour elle, qu'elle se sent trop lente, que son objectif serait d'être plus rapide et que le fait qu'elle n'y arrive pas, c'est parce que pour elle, c'est trop facile. Mm-hmm. Et que elle est toujours dans les nuages ou dans la lune. D'accord. Ok. Donc, elle identifie assez bien finalement son fonctionnement, c'est-à-dire que c'est trop facile, donc ça ne m'intéresse pas. Et si ça ne m'intéresse pas, bah, j'arrive pas à mobiliser mon attention. Et mon attention, il part ailleurs parce que ce sur quoi je suis censée être en train d'être attentif n'est pas suffisamment stimulant pour moi. Hein, on peut entendre les choses comme ça. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que vous disiez en introduction que vous mettiez trop de pression. C'était ça? Oui, peut-être. Oui, de manière générale, de toute façon. Oui. C'est ça. C'est un des pièges hein, de quand on est une maman qui veut bien faire. Il faut être très bienveillant avec vous-même par rapport à cet aspect-là de vous. Vous mettez la pression parce que vous avez très envie de bien faire et ça c'est plutôt très chouette d'avoir envie de bien faire. Après, il y a son papa qui de temps en temps a fait la classe.
et qui lui fait le choix si elle n'a pas envie de travailler, si ça n'intéresse pas, elle a le choix de ne pas travailler et d'aller jouer. Ok. Du coup, il n'y a pas d'espace scolaire dans ces moments-là. Ok. Et moi, ça m'inquiète par rapport à non pas son niveau scolaire, vraiment pas du tout, mais plus par rapport à un rapport à la scolarité, au fait de se mettre à travailler sur quelque chose qui peut, à un moment donné, présenter une difficulté et comment dépasser ces difficultés. C'est plus de manière générale par rapport à toute sa scolarité, sur l'approche d'une obligation scolaire et de quelque chose à faire, et comment est-ce qu'on gère ses émotions par rapport à ça. Ça a été plutôt ça notre travail. Enfin, moi, ce que j'ai fait depuis le début du confinement sur le travail scolaire, non pas sur le résultat, mais sur comment est-ce qu'on gère les émotions, tout ça, par rapport à ce dont on se rend vraiment au quotidien, c'est ce qu'elle peut vivre en classe comme tension, qu'elle se libère ici complètement. C'est très difficile. Mais qu'on suppose qu'en classe elle veut bien faire, elle veut être une bonne élève, et donc elle retient tout et le soir elle explose. C'est ça, c'est exactement ça. Moi j'aime beaucoup ce que vous dites sur la période de confinement et sur la nécessité de développer le goût de l'effort pour les enfants à haut potentiel, mais le goût de l'effort qui ne tourne pas au perfectionnisme et à il faut que tout soit parfait et que je sois une super bonne élève et que je réussisse tout, mais plus dans la dynamique de « je me dois de faire de mon mieux ». Je rencontre un je ne sais pas si je pourrais dire un blocage, mais enfin, je remarque quelque chose d'assez évident, et je suis aussi sur un groupe sur Facebook, il y a plusieurs personnes qui témoignent ce même aspect, c'est l'approche de l'écriture. Dès qu'il s'agit de passer par écrit, c'est waouh, c'est terrible. Et ça, c'est depuis le début de l'année, même avant le confinement, dès qu'il s'agissait de préparer la dictée. Enfin, il y a vraiment quelque chose sur l'écrit qui est... Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fréquent, hein, les difficultés. Je vois que dans la conversation, les autres familles réagissent par rapport à cette difficulté de l'écrit. C'est vrai que c'est une difficulté qui est très fréquente chez les enfants à haut potentiel. Alors, la première chose qu'il faut vraiment vérifier, c'est que s'il n'y a pas un réel trouble, hein, s'il n'y a pas une dysgraphie, c'est-à-dire ça peut engendrer des douleurs, je veux dire des douleurs dans la main, des douleurs concrètes, hein, qui empêchent l'enfant d'écrire. Et les enfants à haut potentiel ont tendance à compenser les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, parfois, une dysgraphie peut complètement passer inaperçue parce qu'elle est compensée par d'autres choses. Donc, première chose à faire, toujours vérifier qu'il n'y a pas un réel trouble. Okay, donc, ça, c'est vraiment important. S'il n'y a pas de réel trouble, on a tendance à s'accorder à plusieurs pour dire que le problème de l'écrit et des enfants au potentiel, c'est qu'en fait, ils ont déjà formé le mot dans leur tête et leur main ne va pas assez vite. Je veux dire. Oui. Du coup, c'est très très frustrant parce que c'est vécu parfois comme une perte de temps, simplement. Ça y est, dans l'esprit, ça a déjà été fait. Et donc, faire l'effort de devoir former la lettre, et ça demande vraiment beaucoup d'efforts, hein, c'est quelque chose qui peut être compliqué autour de l'écrit. La petite astuce que vous pouvez peut-être essayer, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est d'essayer de passer par l'ordinateur. Oui, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Ça peut parfois lever les blocages et puis permettre une expression écrite sans que ça se relie à... Elle a 7 ans, votre fille, vous m'avez dit ? Oui, elle va avoir 8 ans dans un mois. Voilà, c'est ça. Elle est en CE1. C'est ça. Après, ça peut aussi être intéressant. Je rebondis sur la première partie de nos discussions. Vous parliez du goût de l'effort et c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien cette idée de développer le goût de l'effort parce que pour les enfants qui ont des facilités, mais pas uniquement pour ceux qui ont des facilités, parce qu'on sait bien que tous les enfants au potentiel n'ont pas des facilités, hein. Mais en tout cas pour ceux qui en ont, c'est important de développer ce goût de l'effort. Donc je pense que même pour les familles qui vont faire le choix de garder leurs enfants à la maison, je ne dis pas qu'il faut à tout prix maintenir un temps scolaire très calé, très cadré, très précis, très long. Non, pas forcément. Mais
un petit peu chaque jour pour entraîner cette faculté à faire un effort, je pense quand même que ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, relatif à ce que vous disiez sur un souci graphique, oui. Graphologie, elle écrit par ailleurs pour son plaisir dans des carnets. Donc, il ne semble pas donc, que ce soit vraiment le geste en lui-même, mais oui. Plutôt la mise par écrit de quelque chose. Et d'ailleurs, nous avons travaillé sur le fait de faire des petits panneaux. Donc, voilà, quand on a des paquets de gâteaux, on garde les cartons et puis dedans, on dessine des petits panneaux où elle écrit colère ou je sais pas, enfin voilà, ce qui s'exprime en elle et qu'elle a parfois du mal à dire en criant. Et donc, sur l'écriture, on a aussi fait des petits panneaux sur ce qu'on peut faire à la place quand on est très excité, très voilà. Et faire des câlins. Et donc, je remarque que quand elle écrit, peut-être un seul mot, elle a tout de suite besoin de se féliciter. Donc, elle danse pendant 2-3 minutes. Enfin, c'est très intense. Alors, je pourrais à certains moments penser que c'est l'occasion. Ah, je vous ai perdu. Je ne vous entends plus. Alors, je vous entends plus. Non, je ne vous entends plus. Je vais rebondir sur ce que je ne vous entends plus, donc je vais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Il peut se cacher aussi parfois, oui, passer par écrit, je vous dis. Il peut se cacher aussi parfois un grand manque de confiance en soi et d'estime de soi hein, par rapport à la question de l'écriture. Apprendre à écrire, c'est forcément passer par le fait de faire des erreurs. Et ça, c'est parfois difficile pour certains enfants à haut potentiel qui n'ont déjà pas confiance en eux et qui manquent d'estime d'eux-mêmes. D'accepter de faire des erreurs, ça peut être vraiment quelque chose de compliqué. Voilà, donc vous dites Céline dit qu'elle demande toujours si c'est bien. Voilà, alors là, on rejoint toutes les questions de confiance en soi, d'estime de soi. On pourra faire d'autres lives hein, sur ces questions de confiance en soi, d'estime de soi. Ok, je lis en même temps, hein, c'est pour ça que je m'arrête de parler. Sur la question merci hein, pour votre partage, Léa. Effectivement, je ne vous entends plus, donc je recoupe votre micro puisqu'il ne fonctionne plus. Merci pour votre partage en tout cas, c'était intéressant et puis je pense que ça rebondit chez beaucoup, dans beaucoup de familles. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir vraiment sur cette question du choix à faire à partir du 11 mai et de l'anxiété que ça déclenche soit en vous et comment on peut vous aider à vous clarifier, soit l'anxiété que ça déclenche aussi chez votre enfant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors avec uniquement le micro ouvert si vous ne voulez pas qu'on vous voit ou avec micro et caméra ouverte parce que c'est plus sympa pour tout le monde. Mais est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur ces questions-là? Je vous attends. Je regarde du coup ce que je voulais vous transmettre ce matin. En attendant. Oui, ce que je voulais vous transmettre aussi, c'était que je demandais tout à l'heure à Céline si sa fille prenait la décision, qu'est-ce qu'elle déciderait. Alors, c'est toujours intéressant et important hein, d'avoir les avis de nos enfants, d'échanger avec eux, d'écouter leur point de vue, par exemple, sur cette question-là de retour à l'école ou non, quand on a le choix, pour celles et ceux qui ont le choix. C'est toujours intéressant et important de prendre l'avis des enfants. Il n'empêche qu'au final, la décision, ça doit être celle des parents. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est une décision qui est vraiment importante. Alors, de manière générale, je pense qu'on dialogue, on écoute les enfants, on écoute leurs arguments et c'est très important de laisser s'exprimer. Mais au final, c'est quand même toujours les parents qui ont le dernier mot et qui décident. Parce que même si spontanément ils ont envie de décider, ils ont envie d'avoir cette forme de pouvoir, hein, nos enfants, il n'empêche que c'est des responsabilités qui sont vraiment très très lourdes sur leurs épaules. Et dans cette situation-là
En particulier, les conséquences peuvent être, on ne sait pas, si votre enfant tombait malade ou si les choses se passaient mal pour une raison ou pour une autre, ce serait vraiment une responsabilité qui serait beaucoup, 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 beaucoup trop lourde à porter pour ses petites épaules, quel que soit son âge. Donc vraiment, je vous invite à vous clarifier, vous, à prendre les avis de vos enfants. Parce que c'est important selon, alors bien encore une fois selon leur âge, hein, quand on est face à des enfants de 11 ans ou des enfants de 6-7 ans, on n'a pas toujours les mêmes discussions, mais en tout cas, vous avez, voilà, ayez cet échange sur qu'est-ce qu'il préférerait, qu'est-ce qu'il aimerait. Mais au final, c'est vous qui prenez la décision. Que vous décidiez de suivre son avis ou pas, il faut vraiment que vous formuliez les choses de façon à ce que votre enfant soit clair sur le fait que c'est votre décision. OK? Et ça, c'est vraiment pour lui éviter de ressentir une responsabilité qui pourrait être lourde de conséquences et vraiment trop lourde pour lui. Donc voilà, on écoute les enfants, c'est très important. Mais on ne leur donne pas la responsabilité des décisions qui sont vraiment très importantes, comme celle-ci et comme d'autres. OK pour vous? Alors, je vois que dans le chat, il y a des discussions sur le sommeil, sur le coucher, sur les enfants qui n'arrivent pas à se coucher, qui se lèvent tôt. Alors oui, c'est aussi une des difficultés de nos enfants et c'est aussi une des difficultés qui peut être liée à de l'anxiété. Le thème d'aujourd'hui, c'était l'anxiété. Et ben, du coup, on retombe là-dessus sur les questions du sommeil. Hein, c'est-à-dire que y a quand même, si on réfléchit, il y a quand même beaucoup de comportements indésirables. Je ne sais pas comment les appeler parce qu'en même temps, ils méritent d'exister, ces comportements. Allez, on va les appeler indésirables. Il y a beaucoup de comportements indésirables de nos enfants au potentiel qui sont liés, dont la source, c'est l'anxiété. Si vous essayez, dans les prochains jours, essayez d'observer tous les comportements difficiles de votre enfant à la lumière de est-ce que ça peut être de l'anxiété? Est-ce que la source, ça peut être une inquiétude? Je pense que vous allez obtenir beaucoup de réponses parce que il y a quand même beaucoup de ces comportements dont la source, c'est l'anxiété. Et voilà, Céline est en train de... Je vois Céline qui... non, Madeleine. Bref, je ne sais pas, Céline et Madeleine qui discutent sur la question du sommeil et qui disent que le sommeil est difficile. Oui, le sommeil peut être difficile parce que le sommeil, pardon, il nécessite un lâcher prise. Et dans les périodes de tension comme on est en train de vivre, hein, on est confiné, en tout cas en France. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes d'autres pays qui sont là aujourd'hui. Mais en tout cas, en France, on est confiné depuis bientôt 8 semaines et ça génère beaucoup d'anxiété chez nos enfants. Il ne faut pas se leurrer. Ça génère beaucoup d'anxiété chez nous et ça génère aussi beaucoup d'anxiété chez eux. Hein. Donc oui, l'anxiété, elle peut aussi être à l'origine de troubles du sommeil. Donc pour ça, là encore, hein, soyez créatifs. Essayez de trouver ce qui peut convenir à votre enfant pour l'apaiser avant de s'endormir. Alors, il existe plein de choses. Hein. Je vous proposerai très prochainement des outils par rapport à tout ça sur comment est-ce qu'on peut apaiser un enfant. Mais en attendant, n'hésitez pas à tester les musiques de relaxation, le bain chaud avant d'aller se coucher, le petit massage, une histoire partagée, même pour les plus grands. On a tendance à penser hein, que quand nos enfants grandissent, s'ils n'ont plus besoin qu'on leur lise des histoires, mais ce n'est pas forcément vrai, surtout pour les enfants au potentiel qui lisent tout seuls très tôt. Donc du coup on se dit très tôt, bah, prends un livre et va lire un livre, mais un temps de lecture partagée peut être aussi quelque chose qui les apaise. Donc du côté de l'anxiété, il peut y avoir aussi les troubles du sommeil, hein, ça peut en faire partie. Si vous avez une astuce pour que l'enfant accepte les conseils. En fait, dans ma dynamique générale, Léa, je vais vous dire les choses telles que je les pense. J'ai pas d'astuces. c'est pas bien hein, ce que je suis en train de vous dire. Non, en fait, j'ai plein d'astuces, mais je connais pas suffisamment votre fille, je connais pas suffisamment votre dynamique familiale.
je ne connais pas suffisamment les valeurs qui sont importantes pour vous dans votre vie de famille, je ne connais pas quel type de maman est-ce que vous êtes. Et du coup, c'est difficile de donner des conseils comme ça, généraux. Le risque des conseils généraux, c'est qu'ils soient décevants parce qu'ils ne fonctionnent pas, c'est qu'ils ne soient pas adaptés et que même ils peuvent avoir des conséquences qui sont à l'inverse de ce qu'on essayait de mettre en place. Donc, c'est vrai que, sur la question des enfants je vois Céline qui veut bien aussi qu'on parle de coopération. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une prochaine réunion sur cette question de la coopération. Si vous en, voilà, je vois que la question de la coopération et de l'autorité est quelque chose qui intéresse dans la zone de conversation. Donc, on peut s'en parler une autre fois, mais voilà, ne perdez jamais de vue, en tout cas dans ce que moi je propose, que ce soit là pendant cette période particulière autour de ces réunions comme ça qu'on fait, ou dans le cadre de mes ateliers et de mes formations en ligne. Je suis vraiment dans la dynamique de vous guider pour que vous puissiez trouver vos propres solutions. J'ai vraiment pas la prétention d'avoir la solution pour chacun, pour les raisons que je vous ai exprimées il y a 2 minutes, hein, c'est-à-dire que vous êtes tous des mamans particulières avec une histoire particulière, vous êtes des couples ou des parents avec des valeurs qui vous sont propres et qui sont tous respectables, hein, d'ailleurs. Vous avez des enfants qui certes sont à haut potentiel mais restent des individus qui sont uniques, donc qui ont leur personnalité, qui ont leur fonctionnement individuel. Et ce serait vraiment pas honnête et pas éthique de ma part de vous dire ben, dans telle situation, voilà ce qu'il faut faire. C'est vraiment pas éthiquement ce qui me convient et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, effectivement, je me propose de vous guider pour vous amener à trouver vos propres solutions. Donc, effectivement, sur la question de la coopération, sur la question de l'autorité, sur la question du sommeil, quelle autre question j'ai vous passé aujourd'hui ? J'ai pas actuellement de support d'atelier ou de formation prêt pour ça. C'est en cours. Je ne vous le cache pas que ça devrait être prêt, je pense, pour début juin. Ou vraiment, voilà, je vais pouvoir vous proposer quelque chose de pertinent, quelque chose d'efficace et qui va vous permettre de trouver vos solutions. C'est vraiment là-dedans que j'ai envie de vous guider, c'est à trouver vos propres solutions. Léa me dit que ma réponse leur convient bien. Vous m'envoyez ravie. Voilà, c'est en tout cas comme ça que moi je travaille. Vous le savez peut-être, hein, moi j'ai été éducatrice spécialisée pendant 20 ans. C'est l'éducation des enfants et l'accompagnement des familles. C'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps. Et si j'en ai appris quelque chose, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'il n'y a pas une recette unique. Il y a des outils qui sont possibles à mettre en place. Ça, c'est sûr, des outils, j'en ai plein à vous proposer. Mais pour que les outils ils soient efficaces et qu'ils soient pertinents, et surtout qu'ils soient efficaces, parce que quand on met en place un outil, ce qu'on veut quand même, c'est que ça marche. Hein. On manque suffisamment de temps et d'énergie dans notre famille pour ne pas en plus perdre du temps à mettre des outils en place qui ne fonctionnent pas. Donc vraiment, voilà, moi, la dynamique dans laquelle je suis, c'est de vous accompagner, de créer des choses qui permettent de vous guider dans la recherche de solutions pour vous-même. OK ? Alors, Madeleine, étant tous les deux en permanence depuis 8 semaines, la relation est trop fusionnelle. OK. Vous voulez bien nous en parler pour terminer, Marlène ? Madeleine, pardon. C'est intéressant, cette question aussi. Sur votre sensation d'être trop fusionnel. Est-ce que vous accepteriez d'ouvrir votre micro, Madeleine, et de partager votre caméra pour venir échanger avec nous sur cette question ? Ah, vous avez trouvé. On vous entend. J'avais éteint pour ne pas déranger. Super. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Est-ce que vous acceptez que je mette en route votre caméra ou vous souhaitez rester Non, je n'ai pas mis. D'accord. En fait, je pense que
la rupture avec les habitudes de lien avec l'extérieur ont été un peu difficiles. Ça a été très facile au début parce qu'il y avait du repos, etc. Mais à la longue, je pense que ça nous manque et ça lui manque aussi. Le rythme habituel, parce qu'il voyait plein de gens. Il y avait des gens à l'école, mais il y avait aussi plein d'autres structures. Mmh. Et donc, le fait de les voir ou d'avoir des liens, finalement, même par téléphone, qui était induit par notre fonctionnement voilà, d'emploi du temps, de plein de choses. Et là, c'est vrai que ça pose un problème. Donc, il y a un petit lien quand même familial relativement régulier, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Donc, si c'est un moment où il n'a pas envie, voilà, il ne fait pas. Et je pense que ça réduit énormément... alors, notre entourage habituel, mais bon, moi étant adulte, je pense que je m'adapte peut-être un tout petit peu plus facilement, et notamment de son entourage et de son rythme habituel. Mmh. Voilà. Donc, c'est à la fois le rythme relationnel et aussi le rythme physique, c'est-à-dire sortir de la maison, aller à tel endroit, mmh. faire telle activité. Voilà. Donc, il est moins fatigué, mais il tourne en rond aussi un peu. Il a moins, je pense, beaucoup moins évidemment toutes ces activités qui sont on avait fait exprès en fait de faire ça pour qu'il ait une diversité et qu'il ait un enrichissement personnel en fait hein, d'entourages divers et variés et puis d'activités notamment le sport. Bon, nous on fait beaucoup de musique, choses comme ça, mais notamment le sport ou d'autres activités qui lui plaisent aussi beaucoup. Et là tout d'un coup c'est extrêmement réduit, donc à part quelques petites choses qui se font bon comme on peut, c'est-à-dire par Zoom ou des choses comme ça, toujours. Bon, évidemment, on n'a pas pu reproduire la même diversité qu'avant. Et puis, c'est extrêmement différent. Et en plus, c'est que par l'écran. Enfin, à part quelques personnes, là, je suis que en audio parce que je préfère ça aussi. Mais à la longue, parce qu'à force de voir les gens tout le temps sur l'écran, on est tout le temps sur l'écran. Et moi, ça me fatigue énormément. Hein, donc voilà. Et je pense que lui aussi, on doit être un petit peu pareil pour ça. Je pense qu'on est tous différents aussi par rapport aux écrans. Et là, bon, c'est pas du tout la même chose physiquement, en tout cas sur le plan de l'impact. Physique, de santé, mais même de fonctionnement, je pense, mental. Ou voilà, je pense que ça induit aussi finalement beaucoup de fatigue mentale chez lui, le contact avec l'écran, même si on a évidemment diminué tous les accès pour les dessins animés et tout ça. Mais parce qu'en restant en permanence à la maison, ça faisait un petit peu open bar. C'est ça, voilà, donc ça, on a tout de suite fait attention. Mais finalement, pour avoir un fonctionnement à minima avec l'extérieur, sans passer par l'écran, pour l'école, pour plein de choses, c'est pas très facile. Voilà. Alors, c'est vrai, hein, vous avez entièrement, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, les contacts par écran ne peuvent en aucun cas remplacer une relation humaine et affective. Hein. Mais il y a quand même, parce qu'on voit, enfin, là, je vous entends, on se parle. Oui, voilà. C'est moins pire. c'est moins pire que l'isolement. Voilà. L'écran amène quand même aussi une autre fatigue, on va dire. Oui. Et un autre type de le rapport, voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous partagez, je trouve, c'est votre crainte finalement de ce repli sur votre famille. Et vous parliez en tout début de cette crainte de la fusion et d'être trop fusionnel par le manque d'extérieur finalement. Bah, de fait, les frontières sont un peu gommées entre lui et moi, je pense, notamment pour lui. Pour moi, c'est un petit peu plus clair quand même, je pense, mais. Voilà, donc je me sens obligée de mettre plus de limites que d'habitude, quoi. Et de donner quand même un cadre un petit peu, parfois peut-être un peu strict, mais pour lui donner des repères un peu, même si finalement ça n'a pas toujours de sens, vu que voilà, pour l'instant on ne sait pas quand on va ressortir. Je pense pas qu'il va retourner à l'école la semaine prochaine. Si jamais il y va, ça sera deux demi-journées par semaine, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus d'école. Donc voilà, ça va être très, très... Mais du coup, par rapport à ce que... Donc, il y en a pour un moment. Pour ça, ouais, j'essaie de l'organiser pour que ça soit un peu mieux. Voilà, ça, parce que du coup, il y a quand même des problèmes relationnels, il y a des problèmes d'autorité, il y a des rapports parfois avec des enfants dehors, notamment un qui est aussi tout seul. Donc du coup, il y a une fusion entre... Enfin, il y a une espèce de... on va dire
de nouvelles fusions finalement entre ces deux-là, voilà, qui peut poser problème aussi, soit à l'un, soit à l'autre, soit aux familles. Mmh. Soit, voilà. Ça modifie beaucoup de choses et c'est pas forcément simple à gérer. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Moi, je vous rejoins complètement. Après, effectivement, hein, par rapport à, j'avais simplement envie de rebondir sur cette crainte de fusion. On entend que pour vous et dans votre famille, l'extérieur est quelque chose de très important. Et c'est, voilà, c'est très respectable comme chaque démarche de chaque famille. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, je comprends que vous inquiétiez sur les relations sociales en dehors de la famille et sur cette crainte de la fusion dans votre famille à vous. Après, je pense que vous allez trouver les solutions qui vont permettre d'équilibrer ça du mieux possible au vu de la situation. Comme vous le dites, on n'a pas beaucoup de choix, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre hein, dans cette situation-là. C'est-à-dire que ben voilà, les activités extérieures, elles sont stoppées. Et comme je vous rejoins, je pense qu'elles sont stoppées au moins jusqu'au mois de septembre, minimum. Est-ce que deux jours de scolarité peuvent justement vous rassurer sur ce besoin d'extérieur et de vous et de votre enfant? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est aussi un élément important. Parfois, on en a marre aussi, hein, puis on a le droit de le dire aussi. J'en parle même pas. Voilà. Enfin, je pense que j'ai l'habitude aussi, puisque on est tous les deux à la maison depuis sa naissance. Donc, voilà. Mais quand même, je pense qu'on a tous besoin d'un peu de diversité. Et puis, voilà. Donc là, il y a beaucoup de contraintes, même si tout est relatif, on a beaucoup de chance, on est en vie tous les deux, on est gravement malade ni l'un ni l'autre, ni personne de notre famille. Donc, on a de la chance, mais à force de se dire on a de la chance, je pense qu'on perd un peu d'exigence aussi, peut-être trop. On perd un petit peu d'exigence sur un fonctionnement, même s'il est minimal, un fonctionnement. Voilà, je suis tellement d'accord avec vous. Vivable intérieurement, un petit peu vivable psychologiquement, enfin voilà. Et après, puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement ou pas, voilà, on apprend parce que c'est nouveau. Hein, moi, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation, bien que j'ai été beaucoup toute seule avec lui, notamment au début, parce que je ne pouvais pas sortir médicalement, je n'ai pas pu sortir pendant 3-4 mois de chez moi, donc c'était quand même compliqué déjà. Mais ce n'est pas la même chose quand même. Il y avait quand même beaucoup d'interactions qui étaient quand même possibles, ne serait-ce qu'avec des voisins, où je pouvais faire venir qui jouait. Oui. Enfin, voilà. Oui, donc oui. Là, c'est un petit peu différent. Il y a et puis il n'a pas le même âge non plus. C'est en ça qu'il faut, il faut expérimenter. Fonctionnement à lui, notamment, je dirais, psychologique ou mental, enfin voilà, relationnel en tout cas, on n'a pas trouvé l'issue encore. C'est sûr hein, que c'est très nouveau, que c'est très récent, hein, parce que finalement, c'est très long d'être confiné pendant 8 semaines, mais en même temps, 8 semaines pour mettre en place un nouveau mode de vie, c'est très court. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à expérimenter. Maintenant, je réinsiste un petit peu là-dessus parce qu'on a tendance parfois à penser que l'éducation positive ou la bienveillance éducative, c'est avoir le sourire tout le temps et c'est être heureux de notre vie tout le temps. Et ah bah, si on peut être, voilà, c'est bien. Mais bien sûr, mais on a aussi le droit. Ça, voilà. Oui, oui. Bah. Voilà, on a aussi le droit, effectivement, même si on n'est pas malade, même si on a perdu personne autour de nous, même si, comme vous dites, on a plutôt beaucoup de chance. Moi, je me reconnais dans ce que vous dites aussi. On a un toit au-dessus de la tête, on a à manger, enfin voilà. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on a aussi le droit de se dire, en tant que parent, et on n'est pas des mauvais parents pour autant, que là, on ferait bien une petite pause, quoi. Et qu'on a besoin de se distancer aussi un petit peu de notre enfant pour pouvoir renforcer aussi la relation, enfin sortir des tensions qui peuvent exister depuis longtemps. Donc, je trouve que c'est aussi important de dire ça. C'est aussi important de dire, OK, on fait le mieux qu'on peut avec nos enfants, mais il arrive aussi des moments où nos décisions elles sont aussi prises parce que là, j'en ai marre et parce que là, je suis fatiguée, parce que j'ai besoin de me ressourcer. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein, vos besoins de parents sont au moins tout aussi importants que les besoins de vos enfants. Donc après, c'est comment on arrive à trouver cet équilibre entre répondre aux besoins de notre enfant parce que c'est un enfant et que lui, il ne peut pas y répondre tout seul, sans oublier de répondre aux siens. Et ça, c'est vraiment important aussi. Ouais. Et là, je pense que ce n'est même pas qu'une question de besoin. En tout cas, pour lui, ce n'est pas qu'une question de besoin. C'est juste
le fait d'être dans le même espace tout le temps, tous les deux, jour et demi pendant 2 mois, enfin, on va un petit peu dehors, mais on est encore tous les deux, voilà. Il a beaucoup de mal à percevoir les limites et à les accepter, parce que on voit pas pourquoi il y aurait, puisqu'on est dans la même pièce. Voilà. Donc finalement, il a perdu beaucoup l'habitude de respecter mon silence ou si je travaille ou je communique avec quelqu'un, voilà. On a l'impression qu'il a oublié finalement des choses qu'il savait très bien, qu'il avait apprises et qui étaient faciles. Alors, il y a deux choses. Hein. Il peut les avoir oubliées dans une volonté de, entre guillemets, de profiter de la situation, mais il peut y avoir aussi, et on rebondit directement sur le thème de cette réunion, il peut y avoir aussi l'anxiété qu'il ressent par rapport à cette situation et qui fait qu'il n'y arrive plus. Oui, bien sûr. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a des enfants qui étaient plutôt très autonomes dans leur vie de famille, en tout cas qui étaient capables de s'occuper une heure tout seul, ou voilà, qui n'étaient pas dans ce collage permanent, et qui réadoptent des comportements plus fusionnels. Ah oui, là, il y a eu une régression énorme. Voilà, mais c'est ce qui peut clairement être lié à de l'anxiété, même si elle n'est pas verbalisée, même si l'enfant, il n'en a pas forcément conscience non plus. Bien sûr. Où du coup, voilà, on vient aussi se raccrocher à la figure d'attachement et à notre parent, parce que le monde est devenu tellement insécure que tout seul, on n'y arrive plus. Ça peut aussi être une raison, en tout cas, voilà, avoir ce regard, cet éclairage-là peut nous permettre, en tout cas, peut-être d'être plus patient aussi, d'être plus empathique. Oui. Voilà, bien sûr. Ah ben là, voilà. J'ai beaucoup travaillé ma patience. Le problème, je crois que beaucoup de parents ont beaucoup travaillé leur patience. Là, on travaille beaucoup ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que je me rends compte aussi que moi, mes limites sont beaucoup plus... Enfin, c'est pas qu'elles sont plus vite atteintes qu'avant, c'est que... Comment dire, je pense que je suis quelqu'un d'assez fatigable, en fait. Et très souvent, je me retrouve démunie. C'est-à-dire que j'ai le cerveau qui ne fonctionne plus, je ne peux plus aligner deux gestes qui vont ensemble. Enfin, voilà. Voilà. Donc, c'est quand même un petit peu handicapant à la longue. Et là, je n'ai pas de solution pour ça. Voilà, à part prendre un peu de vitamines, magnésium, choses comme ça. Je ne sais plus, quoi. J'ai tout qui se mélange. On parle beaucoup au sujet des hauts potentiels de l'arborescence de la pensée et puis choses comme ça. Et je pense que moi, je suis aussi peut-être au potentiel, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai aussi cette pensée en arborescence. Et là, le problème, c'est qu'il y a engorgement très souvent dans le cerveau. Parce qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 choses à penser en même temps ou à faire en même temps. Et voilà, quoi. Vous le savez peut-être, mais il n'y a pas d'études scientifiques à ce jour qui le démontrent, mais il est communément admis qu'il y a un facteur génétique dans le haut potentiel. Oui, c'est pas fait pour moi parce que c'est pas gratuit et que ça m'a semblé pas indispensable, mais en tout cas, la pensée en arborescence, c'est sûr. Je l'ai prouvé depuis assez petite, en fait. Toujours le besoin d'avoir justement plusieurs choses en même temps. Enfin, en tout cas, ça optimise, par exemple, le travail. Mm-hmm. Puis c'est comme ça aussi. Bon, voilà, c'est-à-dire que si on a de la musique pour travailler un truc écrit, je suis musicienne en plus, mais ou si on entend quelqu'un parler à côté, tout ça, finalement, ça nous aide plus qu'autre chose. Donc, du coup, ça complique les choses. On n'est que deux dans l'appartement, mais si on est tous les deux comme ça et qu'on fonctionne comme ça, je ne parle pas du fait de travailler mon instrument dans la même pièce que lui, mais parce que là, c'est juste très compliqué encore plus. Mais il y a un moment où ça bug un petit peu quand même, forcément. Même sur le plan physique, c'est-à-dire que bon, on peut pas avoir un son de tel truc, un son d'autre chose, quelqu'un qui parle, qui réfléchit autant. Enfin, il y a un moment, on fonctionne comme ça, mais il y a un moment où ça atteint ses limites quand même. Voilà. Et toute la difficulté, alors du confinement, mais pas uniquement, c'est que vos deux fonctionnements, parce que vous parlez de pensée en arborescence, mais moi j'entends aussi beaucoup une fatigabilité qui à mon sens, est liée à l'hypersensibilité. Oui, ça fait longtemps que je suis comme ça, que je ressens ça, que je suis comme ça, mais d'habitude il y a quand même les journées d'école où je peux penser à rien, entre guillemets, penser à autre chose, où il y a une diversité qui fait que finalement ça repose un peu l'esprit de passer d'un truc à l'autre. Voilà, c'est pour ça. Moi, Et puis ce contact social extérieur dont vous semblez avoir beaucoup besoin pour vous ressourcer. Pas trop, je suis grande solitaire, mais quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, là, on se retrouve confiné avec des fonctionnements similaires. De l'anxiété chez nous aussi, parce qu'on parle de l'anxiété de nos enfants, mais soyons honnêtes, nous aussi on est anxieux et nous aussi on est. Ah oui, voilà.
Donc du coup, votre anxiété, ben, il faudrait que vous arriviez à gérer la vôtre plus celle de votre enfant. Et ça fait beaucoup. C'est légitime. Non, c'est juste légitime. Après, vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas quoi faire. Moi, je ne peux que vous conseiller de prendre soin de vous. C'est-à-dire d'arriver, alors je ne sais pas ce qui vous fait du bien dans la vie, dans ce qui est possible actuellement à faire, mais si vous aimez prendre un bain, enfermez-vous dans la salle de bain, ne serait-ce que 30 minutes, pour prendre un temps juste pour vous ressourcer vous. Encore une fois, je me répète, hein, je suis désolée de me répéter, mais parce que ça me tient vraiment à cœur, je ne conçois pas une harmonie familiale sans un équilibre entre un parent qui va bien et un enfant dont on prend soin. On n'a pas l'énergie de prendre soin de nos enfants. Voilà. On n'a pas l'énergie de prendre soin de nos enfants si on ne prend pas soin de nous. En tout cas, il y a un moment, il faut remplir à nouveau un peu le réservoir. C'est ça. Le bain en 30 minutes, ça ne va pas être possible, mais. Ne serait-ce que 5 minutes la douche, c'est déjà... Voilà. Et puis après, vous pouvez peut-être étaler à 10 minutes, 15 minutes. Voilà, Je diversifie parce que je ne peux déjà pas travailler comme je devrais le faire. Donc, je suis obligée de réduire énormément. Mm-hmm. Je ne parle même pas... Je suis musicienne, hein, je rappelle. Hein, je ne parle même pas du contexte actuel qui fait que de toute façon, on ne va pas pouvoir travailler vraiment pendant des mois, voire peut-être un an, deux ans. Enfin, voilà. Je ne parle même pas des conséquences économiques à vie, enfin, bien sûr. C'est même pas ça, mais simplement passer une demi-heure ou une heure par jour sur sa pratique personnelle ou sa réflexion sur sa pratique personnelle, ne serait-ce que ça. Voilà. J'ai aussi des élèves à voir un peu en visio, tout ça, je n'y arrive pas parce que je peux en voir un par jour, mais c'est compliqué parce que voilà, soit j'ai le cerveau pas assez reposé, soit il y a un petit machin qui vient me voir tout le temps ou me le reproche après. Enfin voilà, c'est compliqué. Voilà, je suis obligée d'imposer ça. Donc j'essaye de naviguer à vue, de voir au maximum les élèves régulièrement, on va dire, et dans de bonnes conditions. Mais c'est pas. Donc déjà, ça, le minimum, c'est compliqué. Donc voilà. C'est sûr que c'est compliqué d'arriver à tout concilier sans pouvoir. Se ressourcer à l'extérieur sans pouvoir s'aérer la tête avec cette privation de liberté. Hein. Alors nous, on a la chance de pouvoir aller dehors un peu. Bon, déjà, on sort au moins une heure par jour en ce moment à vélo. Ouais. Maintenant, donc ça fait beaucoup de bien. Sauf qu'il faut justifier, il faut mettre le petit mot, il faut quand même toujours avoir une course à faire parce qu'il paraît qu'on ne peut pas sortir à vélo. Autrement que pour les déplacements, pour le travail. Moi, on me l'a redit. Alors, c'était vrai, effectivement. Donc, on a toujours une course à faire, le pain ou autre chose. Ouais, alors, moi, il me semble que c'était vrai pour un adulte qui se déplace tout seul. Mais si vous êtes avec votre enfant, je ne pense pas que ça pose de problème. J'espère. Mais voilà, on est obligé de réfléchir à tout aussi. Donc, c'est fatigant pour le cerveau. Ah oui, complètement. Je trouve. Enfin, sur le plan… surcharge mentale. Sur le plan, je pense, plus psychologique ou mental qu'autre chose. Mais voilà. C'est une chose de plus à penser. C'est ça. C'est une chose de plus à devoir penser. Donc, ça génère de la fatigue. Ça génère aussi de l'anxiété. Est-ce que j'y ai pensé? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que j'y suis pas? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? C'est ça. Et on peut arriver très vite à la surcharge mentale. Hein, donc, il faut faire attention. Bien sûr. On surchauffe un peu. Mais je pense que les enfants aussi, un petit peu. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en plus, eux, il y a tout ce qui... les enfants à haut potentiel, on le sait bien, hein, perçoivent beaucoup, comprennent en général, quel que soit leur âge, très bien la situation. Oh. Mais ils n'ont pas le matériel pour le gérer émotionnellement. Donc on est face à ce décalage-là où à la fois ils comprennent, à la fois ils sont en recherche d'informations parce qu'ils ont besoin de comprendre. Ah oui, justement. Il m'a même pas posé tant de questions que ça, mais de temps en temps, il dit une phrase qui exprime qu'il a très bien compris des choses assez graves, et assez, même sans que j'exprime moi des choses. C'est assez incroyable. Donc, sauf que le problème, c'est qu'après, émotionnellement, ils n'ont pas le matériel parce qu'ils ont un cerveau mature comme un enfant de leur âge, donc qui n'a pas les connexions qui leur permettent toujours de gérer. Oui, sur le plan émotionnel. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et du coup, ils sont débordés et les tempêtes sont plus fréquentes et l'anxiété. Voilà, mais du coup, j'ai assez bien compris ça, donc je comprends bien qu'il y ait du coup plus de colère et plus fréquente et plus violente que d'habitude. C'est ça. Et comme il y a ce manque de sens, quand même, on a perdu beaucoup de,
beaucoup de signification, des horaires, des impératifs. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement autoritaire, mais bon. Non, voilà. Mais des repères voilà. de votre vie d'ado. Pourquoi ? Je ne sais même pas la peine qu'il me pose la question. Il sait très bien que je me la pose aussi. Donc, voilà, mais pourquoi si, pourquoi ça ? Oui, bah oui, oui. Bah oui. Il faudrait faire telle chose pour l'école alors que j'arrive très bien à faire ces trucs-là. Et bah oui, mais voilà. Est-ce que c'est juste pour faire plaisir ? Est-ce que c'est juste pour la petite routine ? Moi, je pense que rien que la petite routine, elle est plutôt bénéfique. Oui, c'est plutôt intéressant. Je suis d'accord voilà. avec vous. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec vous. Ne serait-ce que pour maintenir une petite routine, après, voilà, avec la seule exigence de faire du mieux qu'on peut. Il ne faut pas en avoir voilà. d'autres. C'est ça. Il ne faut juste pas en avoir d'autres. Ok, bah merci pour votre partage, Madeleine, en tout cas. Et puis, bah écoutez, on va en rester là pour ce matin parce que j'ai moi aussi un petit bonhomme qui s'occupe tout seul depuis 1h15. Alors, plein de bonnes choses. Merci à vous. Je vais retourner porter mon attention un petit peu sur lui avant que la crise éclate, justement. Oui, bah. Justement. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Zoom. Je vais vous mettre sur Facebook, en dessous de la vidéo, le lien pour rejoindre ma liste d'abonnés si vous voulez participer en direct au prochain live et venir échanger avec nous tous. Vous êtes les bienvenus. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager vos besoins, envoyez-moi par mail les thèmes que vous voudriez qu'on aborde dans les prochaines semaines. On est le 6 mai. Je vous ai dit que j'allais faire un live par semaine encore jusqu'à la fin du mois de mai. Donc envoyez-moi vos besoins, de quoi est-ce que vous aimeriez parler, si vous avez besoin d'apport ou si vous avez juste besoin d'échanger. On n'est pas obligé d'être dans la théorie. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit encore ce matin plusieurs fois, je n'aurai pas de recette miracle, mais je peux vous guider dans la recherche de solutions. Et en tout cas, voilà, on peut être dans cette écoute et dans ce partage et dans cet échange tous ensemble qui rompt un peu l'isolement et puis qui fait un petit peu du bien. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présentes sur la plateforme de Zoom. La vidéo a été enregistrée, donc je vais pouvoir la rediffuser. En tout cas, vous pourrez la revoir sur la page Facebook et puis je vais la mettre aussi dans le groupe. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis surtout prenez le soin de vous. À bientôt.